Bienvenue sur e-world oldies, c'est Mitch et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vidéo test consacré à la Nintendo NES. Alors cette Nintendo NES, donc sortie en 1989 dans notre contrée, faut savoir qu'elle est sortie donc en 1983 par contre au Japon. Elle fut lancée par la suite aux États-Unis, puis en 1989 seulement, et oui, 6 ans plus tard, ce qui est tout de même incroyable, 6 ans plus tard dans nos contrées en Europe. Donc elle fut lancée avec le jeu Donkey Kong, si je dis pas de bêtises, et le jeu Popeye, d'après mes renseignements, hein, merci Wikipédia. C'est vrai que Wikipédia c'est tout ou rien, c'est où ce sera intéressant, ou alors parfois c'est il y a à peine deux phrases et c'est tout quoi. Donc là en l'occurrence sur la NES, je vous conseille d'aller le lire, c'est tout de même intéressant et toujours bien de le savoir. Donc voilà, bah moi j'ai décidé de vous faire un petit vidéo test par conséquent pour vous présenter quand même cette console qui fut la console encore en construction jusqu'en 2003. C'est-à-dire ils ont continué à en produire jusqu'en 2003. Alors pas en France, pas en Europe, pas aux États-Unis, mais au Japon. De 1983 à 2003, ils ont fabriqué la Nintendo NES, ce qui est tout de même incroyable, ce qui fait d'ailleurs d'elle la reine des consoles avec sa longévité, je vais y arriver. Donc voilà, donc ça c'est super intéressant, et donc vous voyez, hein, console tout de même, elle a de la gueule, elle en jette. Moi personnellement je trouve qu'elle en jette, avec un design de fou, de psychopathe. Alors aux États-Unis elle avait un autre design, hein, sous le nom donc de Famicom, qui moi personnellement je trouve beaucoup moins belle que cette version européenne. Honnêtement, je sais pas vous, hein, par rapport à la photo dans laquelle vous voyez actuellement, je sais pas vous, mais franchement, voilà quoi, il n'y a pas photo. Moi je la trouve complètement plus belle, ne serait-ce que la couleur, vous voyez, la couleur, je sais pas, son capot. Bon, ça par contre, faut avouer, ce tiroir, c'est ce qui a sans doute fait d'elle le plus gros défaut en fait. Mais d'un autre côté, c'est une console tellement robuste. Sincèrement, moi je peux jouer des heures avec, j'ai pas peur qu'elle tombe en panne. Contrairement à certaines Xbox 360, hein, lors de son lancement, etc. Voilà. Ah, faut savoir que par contre, ça c'est intéressant, étant donné que je parle des défauts. Faut savoir que lorsqu'elle a été lancée au Japon, cette console, au départ, elle a eu, ou aux États-Unis, il me semble, je crois que c'est les versions américaines. Ouais, je crois pas dire de bêtises. Lorsqu'ils ont voulu lancer la version américaine, il faut savoir que cette console a eu des défauts, notamment des ralentissements au niveau des jeux, tout ça, des bugs apparemment. Donc ils en ont rappelé plusieurs. Et ils ont tous rappelé. Ils ont changé la carte mère et ils ont ressorti donc une nouvelle version qui, elle, par contre, s'est lancée à gogo. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Il faut savoir aussi que notamment Xbox 360 ne sont pas les seules consoles à avoir démarré avec un gros défaut et à finalement avoir abouti à de très bonnes ventes, vous voyez. Comme quoi des fois hein, le consommateur ne s'arrête pas au défaut et peut continuer à faire confiance. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein, je disais, vous avez devant vos yeux quand même un pack de Nintendo NES vendu à l'époque avec Super Mario Bros. Alors, il me semble que sur ma boîte, il y avait encore le prix en francs. Je sais plus si je vous dis pas de bêtises. Il semblait qu'il y avait encore le prix en francs sur cette boîte. Alors, je me trompe, je sais plus. Attendez, je regarde parce que, bon, de toute façon, je sais à peu près le prix où elle a été lancée. Pardon, le prix avec lequel elle a été lancée en France. Et il me semblait avoir le prix encore d'affiché dessus, sur la boîte. Bah non, j'ai dû rêver. Je sais plus où c'est une émission. Ah, c'est peut-être sur oui, ça doit être sur ma Super Nintendo. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'en France, cette console a toujours fonctionné, sauf en gros, on va dire Nintendo a volontairement arrêté sa commercialisation lorsqu'ils ont lancé donc la Super Nintendo, qui elle était merde, elle était à un prix de départ. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il est écrit là, alors, 790 francs, vous voyez, moi j'arrive à le lire, hein. Vous le voyez pas, mais je peux vous dire que ma Super Nintendo, à son lancement,
790 balles. Bon, nous, c'était 70 euros, il me semble, si je vous dis pas de conneries. 70 euros, donc ça faisait environ 600, 650 balles, je crois, à l'époque. Hein. Entre 650 balles, 700 balles. Francs, bien sûr. Hein. 700 francs à son lancement. Ça, ce qu'il faisait d'elle n'empêche, tout de même, faut le signaler, la console la plus puissante du marché et la moins chère en plus. Donc vous voyez comme quoi Nintendo a vraiment voulu taper très fort lors de son lancement. Donc voilà. Par contre, j'ai pas parlé du nom du créateur du jeu. Voilà, qui s'affiche actuellement à l'écran parce que je m'en souviens plus. Donc je vous le mettrai. Je vous l'ai mis, en surlignement en bas. Voilà, on va y arriver. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, console 8 bits avec son câble audio hein, derrière, son adaptateur 9 volts qui lui en plus. Bon, ensuite, je vais pas vous embêter avec la carte mère, etc. C'est une console 50 Hz dans nos contrées, nous. On n'a jamais eu de chance, ça faut le savoir. Donc voilà un petit peu ce qu'était la Nintendo NES. Voilà. Vous avez devant vos yeux la Nintendo NES. Donc voilà, je vais. Malheureusement, cette console, j'arrive pas à la capturer à l'heure actuelle. Avec mon logiciel de capture. J'arrive pas à la capturer. Et donc ce que je vais devoir faire, c'est vous faire un vidéo test. Vous faire un vidéo test en filmant à la caméra. Hein. J'ai vu que je l'ai fait avec notamment avec ma GX4000, le vidéo test donc de la GX4000, hein, que moi j'ai trouvé pas trop dégueulasse la qualité. Donc je pense que je vais vous faire pareil parce que franchement cette console a le mérite qu'on s'y attarde quand même avec des hits, il faut le savoir, des hits tels que Super Mario Bros là que vous voyez à l'heure actuelle. Franchement, ce jeu on ne le présente même plus. Hein. Pac-Man, celui-là c'est pareil en bande d'arcade et tout, on ne le présente plus. Enfin, Pac-Man, si, ouais, si, super jeu, il n'y a rien à dire. Super Mario Bros 3, énorme aussi. Donkey Kong, il y en a eu tellement. Après, bon, j'ai aussi des dobs, j'ai quelques dobs là. Les Tortues Ninja, franchement, inoubliables. J'ai quelques dobs quand même. Ce Mission Impossible, notamment, moi je ne l'ai pas trouvé excellent. Donc, désolé, j'ai le chien qui aboie. Donc voilà. Un petit peu pour la présentation de la Nintendo NES. Les manettes, j'en ai pas parlé, mais franchement, très beau design. Bonne prise en main à l'époque. Surtout, disons qu'elles étaient correspondantes au gameplay. Et ça, franchement, c'était énormissime. Franchement, énormissime. Parce que le gameplay, en général, sur cette console, était irréprochable. Sincèrement, notamment avec les Mario, etc. Le gameplay dans les jeux était vraiment, lui, irréprochable. Bon, on ne parlera pas de la robustesse non plus de ces manettes. Hein. La preuve, elles ont traversé le temps avec nous. Vous voyez aujourd'hui, hein, nous sommes en 2011 lorsque je fais cette vidéo. Hein, je le signale, même si c'est évident parce qu'on la voit vite fait cette vidéo en ce moment. Mais nous sommes en 2011 lors de cette vidéo. Donc vous voyez un petit peu en quelle année a pu créer ces manettes. Et regardez aujourd'hui, à l'heure actuelle, elles sont toujours impeccables. Et sans aucun problème. Et ça, c'est quand même fort de la part de Nintendo. Et les boutons, je vous assure, ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas. Franchement, c'était de la qualité, quoi. C'était de la véritable qualité. Ce qu'on n'a plus à l'heure actuelle, malheureusement. Ça dépend, en fait. Donc voilà, je crois qu'on pourra s'arrêter là, hein, sur la Nintendo NES. Bon, c'est vrai qu'il y en existe un million déjà des vidéos sur cette machine. Mais je voulais faire la mienne pour eWorld Oldies. Parce que après tout, hein, notre site consacre d'abord et avant tout le rétro gaming. Donc voilà, toutes ces consoles qui ont bercé notre enfance. Et franchement, on ne pouvait pas faire autrement que de présenter cette formidable Nintendo NES. Voilà, je crois que tout est dit. Et voilà les amis, sur ce, ben, sachez que vous pourrez retrouver nos prochains tests sur e-world.com. Et à bientôt les amis, ciao! À la prochaine.